Château de la Rochette, 15h. Les artificiers peaufinent leur travail. Le feu d'artifice du 13 juillet est organisé par la même équipe depuis 4 ans. Un budget de 6000 euros aura été nécessaire à la mise en place de ce feu d'artifice offert par la municipalité de La Rochette. L'énorme quantité d'artifice nous promet donc un beau feu. En début de soirée, le groupe Rudy H a commencé son concert et le bal du 13 juillet a pu démarrer. Alors, je m'appelle Monique Monnier, j'habite Détrier. Je suis mamie de 5 enfants, 5 petits-enfants, maman de 3 enfants. Voilà, je suis une mamie maintenant. Tous les styles, années 80, années 60, musette, un peu de tout quoi. Parce qu'on faisait toujours de soirée, donc un peu de tout. Parallèlement au bal, le comité des fêtes de La Rochette proposait restauration et buvette pour tous, dans une ambiance tout aussi conviviale. C'est aux alentours de 22h30 que le premier artifice a été tiré depuis le château de La Rochette. C'est donc un spectacle pyrotechnique de 15 minutes qui a été proposé aux Rochetois.